Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre MIFA se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Pour cette vidéo, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de mon pote Sofiane. Salut la famille. Lille derrière. Salut. La femme de mon pote Anaïs. Salut. Bon. Bah ouais, c'est ta femme quoi. Ouais, t'as intérêt. Non, parce que j'ai... T'as vu Anaïs ce qu'il a dit? Il a dit ma femme, ouais. La femme de mon pote Anaïs. Ouais. C'est ça, comme t'as enchaîné la phrase, j'ai dit la femme de mon pote Anaïs. Non. T'as bien compris Anaïs ce qu'il a voulu dire, hein. Genre, t'es pas sa femme, t'as compris ou pas? Voilà, bah tu lui défonceras la gueule. Bref, en tout cas, la famille, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement et le petit partage. Sinon, l'équipe, où est-ce qu'on va aujourd'hui? À Disney. À Disney. Voilà, donc on a pris direction Paris là. Et puis direction Disney. Lia va réaliser son rêve. Anaïs, c'était ton rêve toi ou pas d'aller à Disney? Ouais, nos femmes elles vont réaliser leur rêve. Il y a la foire de Grenoble qui est arrivée là. Aïe. Ouais, en revenant là, on va aller vous ramener à la foire là, je pense. On ira avec Sofiane et tout. La famille, n'oubliez pas, je vous mets la chaîne de mon pote Sofiane en description. Allez, direction Paname, direction Disney. Et puis franchement, en plus, on a pris des bonnes chambres. Eh ben, quand même, 1 200 € la chambre, je crois. Ouais, c'est ça. 1 200 € la chambre. J'espère qu'on va bien dormir. Pour ce prix-là. Ouais, j'espère qu'on va bien dormir. En tout cas, moi, l'idée, c'est qu'on va énormément bien dormir parce qu'il n'y a pas les chats qui vont venir nous réveiller le matin. Ça, c'est cool. Bref, allez, c'est parti. On y va. Direction Paname. Bon, bah là, petite aire de repos, pause pipi, pause bouffe et pause boisson aussi. Allez, go. Et après, on reprend la route. Alors j'ai pris du jambon beurre. Non, je rigole. J'ai pris ton œuf. Ton œuf. Et toi, tu as mangé celui-là parce qu'il y a beaucoup de tomates dans lui. Et lui, il n'y en a pas trop. Parce que ma femme, elle aime pas trop les crudités. Et après, j'ai pris un Starbucks café latte. D'accord. Oui, monsieur. Oui. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Rien, monsieur. Moi, je passe par ici. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a, madame? Je vous dis que le sandwich c'est ici, mais. On dirait que c'est la sécurité. Elle a mis ses jambes comme ça, elle s'est comme ça, comme la sécurité. Vous prenez pas un poil là? Non. Non, c'est pas bon? Si, c'est bon. Non, c'est particulier, Paul. C'est particulier, Paul, quand même. Ils sont doux. Ils sont doux. Non, mais c'est particulier, Paul, quand même. C'est quand tu veux que tu choisis. D'accord, je vais choisir. Alors, ma chérie, qu'est-ce qu'on prend? Je sais pas. Prends du bacon, vas-y, prends du bacon, de toute façon on est loin de la maison, vas-y, prends. Non, mais tu sais que là c'est filmé. Aïe. Frère, vas-y, tu comprends au montage. Je vais me prendre un petit jambon beurre qui passe bien. Un bon petit comme ça, là, le club classique, pas extra fondant. J'ai carrément du bacon avec du chèvre. Alors, c'est de l'humour pour ceux qui ne comprennent pas. Hein, parce que là, voilà, ouais, là, ils ne comprennent pas l'humour, attention, c'est dangereux. S'ils ne comprennent pas, ils ne comprennent pas que je suis. On ne peut pas pleurer à tout le monde dans la vie. Pleurer à tout le monde, c'est pleurer à n'importe qui en plus. Ouais, c'est vrai ça. Bon, la famille, on s'est posé avec nos petites femmes pour manger du coup. Lia, toi, t'as pris le truc, t'as pris quoi toi? Ton fromage frais. Elle a pris un truc dégueulasse, d'accord? On va pas. La femme de mon pote, elle a pris. Bah, t'as pris le truc au thon toi aussi, c'est ça? Voilà. C'est pas le même. Et moi et mon pote, on a pris un truc vraiment sympa. Lui, il a pris son petit café. Moi, j'ai pris mon petit iced tea. Et surtout, ce qu'on a pris, c'est une petite salade et elle est vraiment, vraiment, vraiment belle. Ça a l'air d'être vraiment une belle salade, regardez-moi ça. Oh là 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 là. Oui, il y a des lentilles, je kiffe. En plus, tu sais que je kiffe les lentilles, je kiffe les avocats, je kiffe les tomates, je kiffe le saumon, voilà. Le petit pain, la petite sauce, et puis voilà, hein. C'est parti, hein, je pense. Bon app, hein. Merci, bon app. Salut frérot, du coup, t'es passé sur la petite polo là. Oui, exactement. Voilà, donc c'est la voiture de la femme de mon pote. Donc ils m'ont laissé gentiment la conduire. Et voilà, on est en train de tester la nouvelle Polo. Elle est vraiment sympa. Et bon, c'est cool. C'est cool, j'aime bien. Et puis au moins, bah voilà, pendant ce petit voyage à Disney, moi ça me permet de tester une petite voiture. C'est cool, c'est sympa. Bon alors, qu'est-ce que tu as à nous expliquer sur cette voiture, monsieur? Moi, ce que j'ai expliqué, ouais. Non, c'est toi le conducteur, c'est à toi de nous expliquer un petit peu ce véhicule, comment tu te sens avec. Comme ta femme me l'a dit, c'est un véhicule très très léger, on va laisser la personne passer. C'est un véhicule très très léger, donc les coups de vent, je les sens. Ouais. Quand je double un camion à 130, je le sens aussi. Ouais. 150, j'avoue. On le sent aussi, mais c'est une voiture très légère, mais j'aime bien. Elle est bien, très bon écran, confortable. Voilà, confortable, assis, là je suis bien. La hauteur, on voit vraiment bien l'avant du véhicule, on est vraiment bien à ce niveau-là. Et non, vraiment, véhicule sympa, très bonne clim, bien fraîche. Voilà, bon véhicule,
du français moyen, propre. Voilà, j'en suis très fier. Tu penses qu'un véhicule comme ça, ça vaut combien? 15 000 euros. Moi, je dirais 25. 25 pour l'IA? C'est beaucoup quand même, 25, hein, pour un véhicule comme ça. On n'est pas à 25, on est plus là, on est plus vers les 17, 18 000 euros à peu près. Voilà, c'est ce que j'ai dit, 15 000. Ouais. Ah, c'est pas mal. Oui, bah oui, c'est pas mal. C'est déjà pas mal comme véhicule. Ouais. Bah, c'est sûr, c'est pas ta RS. Oui, mais bon, ma RS, c'est pas des masses non plus. Hein. C'est 20 000, hein, une RS toute neuve. Toute neuve? Ouais. Ah non, je crois que c'est un peu plus quand même. C'est la Trophy, 25 000. Ah ouais? Ouais, la Trophy, 25 000. Et t'aimes, voilà. Et t'aimes bien les finitions cuir, pack luxe et tout, tu kiffes ou pas? Là ouais, cuir, ouais. Bah là on est sur du manuel en plus, ouais. Là on n'est pas en automatique comme moi, donc au début ils ont tous eu peur. Parce que moi en fait bah, j'ai passé mon permis comme tout le monde, hein, manuel. Sauf que le manuel bah, j'ai pas touché depuis belle lurette. Donc au début un petit peu la frousse, mais après c'est reparti quoi, tranquille, on s'est habitué. Je vous cache pas que depuis tout à l'heure, il y a tout le monde qui est pas bien. Depuis Captain, il a pris le volant. Ah, mais franchement, tout le monde est pas bien. N'importe quoi. Dites la vérité, les filles. Vous allez bien ou pas? Ah, d'accord. Elles ont même pas répondu, frère. D'accord, ok. Hôtel Disney, je crois que c'est par là. Newport Beach Club. C'est lui. Arrive à l'hôtel. Filme l'hôtel. Oh my god. Il est beau hein. Franchement il est magnifique. 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 Magnifique, magnifique. Ma jolie. Magnifique. Bonjour. Mais non ma chérie, il y en était obligé. Elle va te casser la gueule ta femme mec. Comment tu oses, faire des blagues t'as à une femme? T'as vu comment ils ont, t'as vu la sécurité? Ouais il a osé faire une... la sécurité. Tu sais pourquoi il a fait une blague Anaïs? Parce qu'on dit que femme qui rit à moitié dans son lit. Donc il a voulu à moitié dans n'importe son lit. N'importe quoi. Mais au début, j'ai cru que c'était. J'ai cru que c'était réponse, wow. Mais en fait, c'est pas réponse. Tu vas te calmer avec réponse. D'accord. Libéré. Oh, il se prend un bus. Mais non, on n'a pas fait ce prendre. Non, ouais, mais t'es super dangereux, hein, par contre, Sofiane. Hein. N'importe quoi. Au retour, il n'y a que moi qui conduis, par contre. Bah, moi, je reste là. Ah, bah, c'est gentil, Anaïs, merci. Le belge, il prend pas trop de place quand il tourne. Oui, oui, j'ai tourné avec un camion 3 tonnes. Ouais, ouais. Avec la cam. Mon Dieu, ces femmes elles sont compliquées avec leur lecture. Ah, moi, ça. Moi je peux prendre le truc du PC si tu veux bébé. Ah non, excuse-moi. Tiens ma chérie. Attention. Il y avait quoi dedans? L'ordi. Oh t'es sérieux? Oh putain! T'as fait la oh, même si je l'ai pété, frère! Attends. Est-ce que tu sais c'est quoi comme ordinateur qu'il y a dedans? C'est un Nokia 3310. C'est un Alienware! Oh, frère, 17 pouces! Oh, frère, tu sais, il fait plus de 2 minutes! Attends, non, par contre, j'ai rattrapé! Je vais rattraper! Non! Non! Je vais rattraper! Même attends! J'ai rien rattrapé du tout! J'ai rattrapé! Attends, tu peux voir? Il va bien! Attends, par contre, il a fait la même chose pour lui tout à l'heure. Oui. Et l'humain, tu sais quoi? Ah, moi, je te jure, ah, si t'as fait l'Alienware. C'est pas l'Alienware. Mais je te jure que c'est un Alienware. Wesh, il est. Si, je suis pas mort. Wesh, t'as un Alienware, il est plus vieux que ma grand-mère, frère. Mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai un plus vieux. Regarde les rayures. Mais c'est pas ça. Mais bien sûr que c'est toi. Menteur. Regarde, il est pété là, son côté. C'est pas vrai. Voilà, c'est les rebeux, ça. Mais ouais, c'est vrai, ma chérie. Je vais jamais faire tomber les affaires d'un rebeu parce que, voilà le truc, c'est un bois de pute. Anaïs, c'est moi? Je crois. Non, bah ouais, non, ma parole si. Ma parole si. Je suis voilà. Ben voilà, je crois que c'est toi. Voilà, je crois que c'est toi. Ben c'est vrai, il vient le. Mais le gars, il vient le faire tomber, il ne croit pas. Vous avez vu comment il essaye de. Vas-y, c'est pas grave. Mais derrière, il avait fait tomber mon PC, non? Oui. Si, mais je l'ai pas fait tomber ton PC, arrête. Non, son PC, il était au sol. J'ai fait ça, il n'y avait rien. Bon, on regardera tout à l'heure, c'est pas. C'est un mytho. Moi ce que je sais c'est que c'est un mytho ce mec. Franchement. C'est quand même inadmissible d'être un menteur comme ça. C'est bon? Il allait parler de ma valise. Mais frère regarde. C'est pas il va dans un hôtel 5 étoiles. Et il a pris un sac footlong.
Mais regarde, t'as pas lu. Voilà, ah, écoute-moi bien. Frère, on rentre pas ensemble dans le même hôtel, moi je te dis. Non, mec. Ah, c'est ça, trop. Attends, faut le cœur, Kinder, ça passe. Frérot, c'est quoi cette valise? Moi, c'est une Samsung. Et voilà, on aurait dû me prendre le bateau. On dirait une valise que t'étais dans l'hypothèse. On aurait dû me prendre le bateau, ils vont plaindre de mec. On des trucs. On dirait des bonbons. Les valises sont toutes dans les bateaux où il y a des gilets, trucs de gonflables, je sais pas quoi. Ah, là. Frère, c'est trop. Regarde. Oh, yeah. Ah, il y a des trucs. Je crois que c'est un truc pour mettre des visseuses, des trucs. La vérité, je rentre pas avec toi dans l'hôtel comme ça. Voilà, je te connais pas moi aussi, frère. Je voilà. Te connais hop, frère. Moi, je te connais hop aussi, frère. Ah ouais, c'est trop. C'est un fou, lui. Regarde sa valise. Regarde comment il est magnifique. Oh, sa valise, elle a fait la guerre de sécession. Voilà. Ah, mais frère, elle a fait c'est toutes trop, les guerres du monde. Trop. Voilà, frère, regarde. Écoute le bruit, frère. Voilà, j'ai mal au doigt. Putain, il est magnifique. Hein. Franchement, tu kiffes mon cœur. Ouais. On a payé 1200 euros par chambre. Ouais, ça pique, chambres. Hein. Franchement, On a 1200 euros, parce qu'aussi on a un petit-déj, y compris, je crois. 100 euros, un truc comme ça, petit-déj. Ouais, aussi, ouais. Aussi, ouais. Voilà, en tout cas, c'est sympa. Bah, on va vous faire visiter l'intérieur de l'hôtel. Et je pense qu'on se retrouvera pour une vidéo où je vous ferai visiter la chambre. Et oui, il faut que ce soit une vidéo, ça. J'en ai toujours fait une vidéo à la chambre. Donc, on fera visiter la chambre en vidéo, je pense. Okay. Ou l'intérieur. Non, l'intérieur, on leur fait visiter dans le vlog. Ben non. Non, mais qu'est-ce que vous trouvez que c'est mieux qu'à mes abonnés je leur fasse visiter tout l'intérieur dans une vidéo ou... Bah oui. Ouais, quoique le vlog on l'arrête là. Vous pouvez vous permettre de faire plein de vidéos, le vlog on l'arrête là. Comme ça au moins on est arrivé quoi. Prenez soin de vous et de l'ami fan. N'oubliez pas en tout cas comme d'habitude de liker, commenter, partager, abonnez-vous. J'espère que vous avez passé un agréable moment avec mon pote et sa femme et ma femme du coup. Et n'oubliez pas la chaîne de mon pote sera en description. N'hésitez pas à aller vous abonner. Comme vous voyez, c'est un mec très très con. Alors je pense que vous allez rigoler avec lui aussi. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne. C'est con moi. C'est très con. Jamie!